Hello, oh my lovely goddess. Hello, everyone. Hello, my dear lovely Bisha. Tell me what's up. I hope you are all doing well. You are, oh my lovely goddess. I'm glad to hear it. I'm glad to be with you today. My dear lovely Bisha, let me tell you something before we start. I'm doing good too. I'm feeling well too. Then let me welcome you to this new episode. And today's episode is going to be scary. It's going to be a big lesson for a married woman. Pourquoi est-ce que j'ai mis et pourtant j'avais déjà dit fort de toutes les façons? My dear lovely mother, my dear lovely sister, don't be afraid to start over. Alors, my dear lovely Bisha, bonjour. J'espère que vous allez tous et toutes bien, même si ce n'est pas le cas. Vous savez déjà qu'ici ça va aller puisqu'on est entre nous. Vous savez aussi qu'entre nous, Bécha, c'est l'amour. Oui, de l'amour et encore de l'amour et toujours de l'amour. Ici, on en donne en abondance. On le reçoit tous les jours gratuitement de la part du Seigneur. Il ne nous demande pas de payer pour ça. Pourquoi est-ce qu'on va le demander en retour? Pourquoi est-ce qu'on va lésiner quand il s'agit de donner de l'amour à notre prochain? Ici, c'est aussi de la joie et encore de la joie. Sur cette chaîne-ci là, on se sera sûr de l'état de santé de tout le monde. On sera sûr que ça aille bien pour tout le monde. On sera sûr qu'avant de quitter la chaîne, vous soyez émotionnellement parlant servi. Et pour finir, my dear lovely Bécha, c'est aussi de la bonne humeur. Comme je le dis toujours, il faut d'abord incarner la bonne humeur pour en procurer en retour. Sur ce, je ne peux que vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue sur ma chaîne Ibrahim Lasson alias Papa Congo ça. My dear lovely Bécha, on se retrouve aujourd'hui pour une affaire criminelle ghanéenne, pour un TCA ghanéen qui s'est passé en 2022 en Hollande aux États-Unis. Alors, avant de commencer, j'aimerais bien mettre un point sur un i et une barre sur un t. J'aimerais bien vous faire comprendre que cette affaire, je l'ai traitée en septembre 2020. Qui dit 2020 dit je traitais tous les sujets criminels comme si je faisais le Congo ça. Je m'en tenais uniquement aux informations donnée par Facebook. Je ne faisais du tout pas de recherche. Je ne voyais pas plus loin que le bout de mon nez. Et je vous assure que c'était aussi comme si j'avais avalé un perroquet. Je parlais comme une machine à tuer. Il y a un adage qui dit « Trop parler, c'est maladie ». Je vais plutôt vous illustrer cela pour que vous puissiez comprendre de quoi est-ce que je suis en train de parler. Vous allez comprendre combien mes vidéos d'avant étaient nulles. Bon, pas si nulles que ça. Mais franchement, ce n'était du tout pas du contenu recherche. Maman, j'en suis sûre que tu as entendu parler de cette histoire car elle a fait la une des réseaux sociaux. Tout le monde en parlait. Un pasteur qui a flingué sa femme. Savez-vous pourquoi? Savez-vous ce qui s'est en réalité passé? Je m'en viens donc aujourd'hui vous raconter l'histoire du pasteur Sylvester Ofori qui a tué sa femme Barbara Tommy de 7 coups de fusil pour la simple raison qu'un autre pasteur comme lui aurait dit que sa femme est une sorcière. Mais bon, il y a aussi un adage qui dit « Seuls les imbéciles ne changent pas. Seuls les imbéciles ne se remettent pas en question. » Et comme je n'en suis pas un, j'ai décidé de corriger le tir. J'ai décidé de revenir sur l'histoire de Barbara Tommy, une jeune Ghanéenne de la vingtaine qui a été tuée de 2 balles dans le dos et de 5 balles dans la tête par son mari, le pasteur Sylvester Ofori. Et ce, en septembre 2020. Vous êtes déjà terrifié, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que vous l'êtes? Je ne vous ai même pas encore raconté l'histoire. Alors, pour cela, vous allez vous installer confortablement comme je le suis actuellement. Vous allez vous prendre quelque chose à boire et surtout quelque chose à grignoter. Je sais qu'à force, vous avez pris des kilos, mais ce n'est pas grave du tout. Quelques kilos n'a jamais tué qui que ce soit. Vous n'allez pas aussi oublier votre pouce bleu en l'air. À chaque jour, on le dit, mais vous ne le faites pas. Vous regardez les vidéos et vous n'encouragez même pas les recherches. Vous n'encouragez même pas l'ingéniosité. But anyway, si cela est fait, je vous demande alors de vous mettre dans le mood de la story.
Oh my lovely goddess, my dear lovely bitch, avant qu'on entre définitivement dans le vif du sujet, je tenais sincèrement à m'excuser pour la tache blanche apparente sur mon nez. Je sais pertinemment que vous êtes souvent trop axé sur le physique. Je vous assure, ne me blâmez pas parce que moi-même je ne sais pas d'où ça sort. Ou bien peut-être parce que je suis accroché, je suis axé sur cette tâche et je veux pas tous les coups qu'elle parte. Je tiens aussi à m'excuser pour les bruits de fond. Je tiens à m'excuser pour les bruits de ce ventilateur. Nous sommes déjà en été et je vous assure que de mon côté, ça caille. Imaginez-vous que nous sommes déjà à 44 degrés. C'est un truc de fou. Nous sommes en enfer. But anyway, on va plutôt parler de Barbara Tommy. Detectives say it was a calculated crime that happened quickly outside the Navy Federal Credit Union on Tuesday. Investigators wouldn't elaborate about any warning signs that might have led up to the violence, but court records show a fight between the couple in 2016, something that resulted in resisting arrest charges for Ofori. Committed a heinous act of violence towards a loved one, and there's unfortunately no excuse for that. Barbara de son vivant était plus connue sous le nom de Famia qui est son deuxième prénom. Elle était également connue sous le nom de B comme Queen B. Barbara était une âme brillante, intelligente, audacieuse et belle qui a illuminé ce monde pendant 27 ans, pendant 27 courtes années. Elle est née dans la nuit du 14 mai 1993 au 37 Military Hospital d'Accra au Ghana. D'après maintenant les informations officielles ou d'après ce que moi j'ai compris, d'après mon analyse personnelle, Barbara Tommy est le troisième enfant de Samson Zeponu Tommy, militaire à la retraite. Elle est également le troisième enfant de Francisca Aju Mensah. Je disais tantôt que d'après les informations officielles ou bien d'après ce que moi j'ai compris, elle a officiellement un grand frère du nom de Kweku Perry, une grande sœur du nom d'Elizabeth Sophia Tommy et un petit frère du nom de Daniel Sena Tommy. Je vous ai juste cité ce que moi j'ai trouvé. My dear lovely Bisha, laissez-moi vous raconter la sublime histoire derrière le prénom Barbara. Barbara tient son prénom de son père qui était en mission militaire à Noël 1992 et ce alors qu'elle était encore dans le ventre de sa mère, n'est-ce pas wonderful? De toutes les façons, son père a envoyé une carte postale où il avait écrit à son fils « Dis bonjour à ta sœur Barbara » et c'est comme ça que le nom est resté. Elle tient maintenant son deuxième prénom Famia de sa mère enseignante. Francisca lui a donné ce prénom Famia parce qu'elle avait l'une de ses élèves préférées qui portait également ce nom. Celle-ci était très belle et très intelligente et elle l'étudiait pour devenir pilote. Le nom de Famia n'a pas trop impacté sur elle. Oui, ça a impacté du côté de la beauté parce que Barbara était très belle. Ça a aussi impacté du côté de l'intelligence parce que Barbara était très intelligente. Mais ça n'a du tout pas impacté du côté de l'école. Quand je parle du côté de l'école, je veux tout simplement dire qu'elle n'a du tout pas suivi le même parcours que Famia, l'élève préférée de sa maman. Elle a suivi son propre chemin. Elle a tracé sa propre route. Après son certificat d'études primaires en 2014, elle a déménagé aux États-Unis avec ses parents ainsi que ses frères et sœurs. On aurait dit que son papa avait gagné à la loterie américaine ou bien que sa maman avait gagné à la loterie américaine. Je dis cela tout simplement parce que c'est le seul moyen qui vous permet d'embarquer avec toute votre famille dans un avion pour le pays de l'oncle Sam. Samson a peut-être mis les moyens en jeu pour que toute la famille ait un visa. Je n'étais du tout pas là et je ne peux du tout pas dire oh oh. De toutes les façons, lorsqu'ils sont arrivés dans le pays de l'oncle Sam, ils se sont installés en Floride centrale. Barbara était un esprit libre dont l'ambition, la beauté intérieure et le courage ont fait d'elle une personne exceptionnelle et une personne sur laquelle beaucoup pourraient s'inspirer. En ce qui concerne maintenant son ambition ou bien même ses ambitions, parce que c'était une fille très ambitieuse, laissez-moi vous dire que Barbara s'était engagée dans la voie de l'éducation et de l'excellence professionnelle. Une fois bien installée dans le pays de l'oncle Sam, ses parents l'ont inscrite au Meadowbrook College d'Orlando avant d'obtenir son baccalauréat au lycée Apopka d'Orlando en 2011. Voilà qu'après son baccalauréat en 2011, elle a fait une année à la Florida Atlantic University à Boca Raton. Et l'année qui a suivi, elle a été transférée au Valencia Community College d'Orlando où elle a obtenu une licence en arts plastiques. Mais au lieu de directement s'inscrire en master pour un master en arts plastiques, elle est plutôt entrée à l'Université de Floride Centrale où elle a obtenu une double licence en administration des affaires et finances en 2015.
2015. Laissez-moi renchérir en disant que côté éducation, Barbara était imbattable, incollable et surtout déterminée. Elle voulait aller jusqu'au bout des choses. En 2022, elle est retournée sur les bancs. Elle est rentrée à l'école en vue d'obtenir un master en marketing à l'université de Maryville. Elle venait à peine de se lancer dans cette aventure que voilà, elle est décédée. Laissez-moi vous dire que l'ambition éthique et professionnelle de Barbara était telle qu'elle a financé elle-même sa scolarité. Elle a travaillé tout au long de sa scolarité pour financer ses études elle-même. Et ce, sans contracter le moindre prêt et sans aucune dette. Pour maintenant financer ses études, elle a travaillé de février 2013 à juin 2015. Et ce, comme superviseur de la partie frontale ou responsable de l'accueil au Ross Dress for Less. Barbara était tellement impressionnante que son ambition ne s'est du tout pas limitée à son éducation. Elle a également imprégné sa carrière. Après ses deux licences, elle a commencé à travailler en août 2015 comme Senior Member Service Representative. Ce qui veut tout simplement dire en français représentante principale des services aux membres. Et ce, à la Navy Federal Credit Union. J'espère que vous avez compris de quoi est-ce qu'il s'agit. Pour ceux qui n'ont rien compris, il s'agit d'une banque. Et comme elle a passé toute son enfance à Orlando, comme elle a étudié à Orlando, elle a aussi travaillé à Orlando. Après avoir travaillé avec diligence pendant 5 ans dans la même entreprise, elle a été nommée directrice adjointe de la succursale de la filiale. Et avant sa mort, elle se formait pour être directrice de la succursale. Elle ne voulait du tout pas rester à directrice adjointe. Elle était ambitieuse. Elle visait haut et elle était prête pour ça. Pas à tous les prix, prête à travailler pour ça. Barbara travaillait sans relâche et donnait toujours le meilleur d'elle-même dans son travail. Et ce, même jusqu'à la dernière seconde de sa vie. Laissez-moi rajouter en disant qu'au-delà de ses réussites éducatives et professionnelles, Barbara était belle, pas seulement physiquement. Au-delà de la beauté extérieure qui arbitrait son âme et son esprit, Barbara rayonnait d'une beauté profonde qui découlait des vertus de l'altruisme, de la gentillesse et de la compassion. Elle avait cette habitude-là. Elle avait cette soif de toujours rechercher des moyens de servir les autres. Qu'il s'agisse de servir à l'église, d'encadrer les autres ou de toute autre chose, il était rare que les gens manquent d'aide lorsque Barbara était là. Elle vivait selon la loi de l'attraction. Elle croyait très fort et très durement au karma. Elle vivait selon la devise « Soyez gentille ». En fait, la gentillesse était tellement importante pour elle qu'elle se donnait délibérément des rappels de gentillesse. Pour se rappeler d'être gentille au quotidien, elle collait des post-it sur son miroir. Elle n'oubliait pas aussi de poster des messages de gentillesse sur ses médias sociaux, comme son Facebook, son Instagram et même son Snapchat. Son Facebook qui est aujourd'hui bloqué, son Instagram qui est aujourd'hui en privé, pour encore se rappeler d'être gentille au quotidien, d'être gentille avec tout le monde. Elle avait dans sa chambre des cadres d'art sur lesquels était inscrit « Soyez gentille ». J'ai parlé de chambre parce qu'à ce niveau, elle n'est pas encore mariée et elle vit encore avec ses parents. Sa gentillesse était si grande qu'elle s'est portée volontiers de défendre les autres, de défendre ceux qui étaient vulnérables. Outre maintenant son ambition et sa beauté intérieure, Barbara était courageuse. Et ce, parce qu'il faut du courage pour quitter une relation, d'un mariage, d'un foyer où règne en permanence la violence. Il faut également du courage pour décider que trop c'est trop. Et il faut de l'audace pour donner une suite à cette résolution. My dear Love Libation, nous ne sommes pas des enfants. On ne peut tout de même pas parler de s'enfuir d'une relation, d'un mariage, d'un foyer où règne en permanence la violence, la dictature sans impliquer un homme dans sa vie. Le 14 octobre 2014, Sylvester Ofori publie sur sa page Facebook, une page qui a été supprimée par Mark Zuckerberg, une photo de lui et Barbara avec pour légende. Je remercie le Seigneur pour m'avoir béni avec une belle femme de foi, ma future épouse. My dear Lovely Beisha, il ne faut du tout pas que je vous perde. Laissez-moi vous parler de Sylvester Ofori. Sylvester est également né à Accra au Ghana en 1985. Contrairement à Barbara, d'après mes déductions, il a passé toute son enfance, toute son adolescence et une partie de sa vie au Ghana avant de déménager aux États-Unis. Est-ce qu'il a lui aussi eu la loterie américaine? Je ne sais pas. Est-ce que ce sont ses parents qui lui ont payé le visa, le billet d'avion pour qu'il aille étudier aux États-Unis? Personnellement,
comment, je ne le sais pas. My dear Love Liberation, ne soyez pas pressés. Vous allez très bientôt comprendre pourquoi j'ai fait cette déduction. Et tout ceci pour vous dire qu'on ne sait du tout pas quand est-ce qu'il a quitté le Ghana pour les États-Unis. Parce que rien de son passé n'a été rendu public. Sylvester était un homme cachotier. On ne sait absolument rien de lui. Imaginez-vous que je suis allé sur le site Truth Founder, que j'ai payé 3$ pour connaître un peu de sa vie et je n'ai rien reçu et je n'ai rien obtenu et je n'ai rien eu. J'étais vénère, je vous assure. De toutes les façons, une fois installé dans le pays de l'oncle Sam, Sylvester Ofori va s'auto-proclamer pasteur. Et voilà que le 17 janvier 2012, il va fonder l'église Flow Gates of Heaven International Ministry. J'espère que mon anglais a été impeccable. May God deliver Steve. Now. May God deliver. My God. Hey, loose, come out in the name of Jesus. Come out. Break. Steve will not die. I break that death off of Steve right now. Fire. The God who added 15 more years to Hezekiah's age. May that God deliver Steve right now. Et oui, il exerçait son ministère auprès des milliers de personnes dans le monde entier. Vous connaissez très bien notre mentalité. Il suffit qu'une personne se réveille un bon matin et dise « J'ai reçu l'appel de Dieu » et nous voilà en train de le suivre bêtement, sans rien connaître de lui, sans connaître si c'était un criminel dans le passé, même si c'est vrai qu'il faut toujours donner une seconde chance. Et vous le savez très bien, je n'en disconviens pas, mais ne suivons pas bêtement tout le monde en fait. Tous les jours, c'est à toi que Dieu parle. Pourquoi est-ce que Dieu ne parle pas aussi tous les jours aux autres comme toi? De toutes les façons, Ibrahim Amosingoulé, revenons à nos moutons, poursuivons nos moutons égarés. Le site internet de Flow Gates of Heaven International Ministry décrit Sylvester comme un puissant homme de Dieu connu dans le monde entier. L'église a déclaré, le prophète Sylvester Ofori a accepté très tôt la mission souveraine de Dieu pour sa vie. Il attribue son zèle pour Dieu à ses parents qui ont inculqué la crainte du Seigneur dans le cœur de leurs 5 enfants. Lui ainsi que ses 3 frères sont des orateurs de croisade et de réveil très recherchés. Ils appuient bien sûr le mot « très recherché ». Citant maintenant ses dons spirituels, l'Église a déclaré « Grâce à la puissance impressionnante du Seigneur qui agit à travers lui, les malades sont guéris, les boiteux marchent, les aveugles voient, les personnes possédées par les démons sont délivrées, les pratiques de sorcellerie sont démasquées et annulées et les personnes brisées sont guéries. » Ce sont là quelques-uns des nombreux miracles qui se sont produits, qui se sont manifestés à maintes reprises dans le cadre de ce ministère. Maintenant, dites-moi s'il vous plaît, quand on vous vend une marchandise dans un si bon emballage, est-ce que vous pouvez dire en parlant maintenant des qualités de Sylvester Ofori, je pense qu'on a tout dit. On va maintenant revenir à Barbara Tommy. Vous le savez déjà, c'était une belle âme. Elle l'aimait sincèrement, elle l'aimait profondément. Elle avait l'intention d'exuder l'amour de Dieu à tout ce qu'elle rencontrait. Et parce qu'elle aimait Dieu, elle aimait également toutes les personnes qui l'avaient créée, à tel point qu'elle était prête à les défendre. Surtout, comme je l'ai tantôt dit, lorsqu'elles étaient vulnérables. Elle l'aimait si profondément qu'elle était prête à voir le meilleur chez les autres, prête à pardonner les offenses les plus perfides. Elle n'était pas superficielle, elle était profonde. Et parce qu'elle voulait exuder l'amour de Dieu, voilà comment elle va se rendre à l'église du pasteur Sylvester Ofori avec sa mère ainsi que son frère. Je pense bien son petit frère Daniel. Tako Kedesh connaissait personnellement Barbara et elle fréquentait également l'église de Sylvester. Elle se souvient très bien que lorsque Barbara a rejoint pour la toute première fois l'église du pasteur Sylvester, elle était en couple et parce qu'il avait posé son regard sur elle, il l'a mis tout en œuvre pour la séparer de son petit ami. Il l'a rusé pour l'éloigner de son petit ami. Il a réussi à l'embobiner en lui disant « Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé que ce n'est du tout pas ton mari. Il m'a dit que c'est moi ton mari. » Et vous le savez très bien, c'est une tactique qui marche de tonnerre dans les églises. C'est une formule qui a fait ses preuves. Mon cher ami, si tu es dans une église et tu as repéré une petite qui te plaît bien et tu penses que la petite n'est pas intéressée par toi, va tout simplement voir le pasteur et dis-lui « Papa pasteur, je veux cette fille-là. S'il te plaît, fais tout pour qu'elle me soit. » Et tu vas voir, il va appeler la fille et il va lui dire « Dieu m'a dit que voilà ton mari. » Et voilà comment un couple qui ne s'aime pas va s'unir parce que Dieu a dit que « Ibrahim, mind your business. Occupe-toi de tes oignons. Ferme ton amour singulier. »
I just want to say, I know this girl personally. This is a ministry that I was under. I was a praise and worship singer, backup singer into this ministry. He was my pastor. I'm not come to bash. I'm not bashing anybody. We all need prayer. But let me tell you something. I know the day and time. I know when these two get into a relationship. The same time he get into a relationship with her is the same time I get into a relationship with my husband. I was into his church and I was homeless on the choir with my children. And he didn't even know I was homeless. And I've served. And I know what he said to this girl when this girl came to the ministry. She came with her mother and brother and sister-in-law to the ministry. He have a small ministry first before he get big. And the small ministry, a little room, and everyone love him. We all love him and we all worship with him. And when this girl came, he said to her, she have a boyfriend. And he said, like God said, that boy wasn't for her. He gonna bless her with a good husband. So she come out of that relationship. Enter into a relationship with him. Barbara n'avait que 22 ans. Elle venait à peine d'obtenir ses deux diplômes. Elle venait aussi à peine de commencer à travailler à la Navy Federal Credit Union. Quand le tout-puissant pasteur, le tout-puissant homme de Dieu, l'envoyé de Jésus-Christ, le tout-puissant prophète de Dieu, a commencé à lui bourrer le crâne avec le mariage. Dieu m'a dit qu'on doit se marier. Dieu m'a dit qu'on doit quitter la fornication. Une idée qui n'était du tout pas la bienvenue chez les Tommy, ni même chez les Ophorie. Les deux famille était contre ce mariage. Sophia dira lors de son interview avec Kofi TV, ma soeur est tombée amoureuse du pasteur Sylvester et lorsqu'ils ont décidé de se marier, nous avons essayé de l'en dissuader, mais Barbara a fait savoir que c'était l'homme de sa vie qu'elle voulait l'épouser. Nous n'avons eu aucun autre choix que de l'accepter. Les parents de Sylvester n'étaient non plus d'accord avec ce mariage et ce parce que nous sommes des évêques et eux les achantis. Les différences culturelles étaient donc en jeu, mais comme ils ne vivaient pas au Ghana, ils n'ont eu aussi aucun autre choix que de se plier. Et bien que toutes les deux familles s'y opposaient à leur mariage, Sylvester et Barbara n'ont fait qu'à leur tête. Ils se sont mariés le 19 septembre 2015 et ce après 2 ou 3 ans de relation. Laissez-moi rajouter qu'ils se sont mariés dans le somptueux domaine Bella Collina où le cadre pittoresque complété avec un soleil presque parfait a mis l'ambiance et où le décor raffiné a rendu ce mariage inoubliable. Lorsque Sylvester et Barbara étaient en train d'échanger leur vie, il était plus qu'évident que leur amour avait touché toutes les personnes présentes à leur mariage. Voilà qu'une fois unis par les liens sacrés du mariage, Barbara a commencé à servir aux côtés de son mari. Barbara enseignait et prêchait l'évangile pour inspirer, pour équiper et pousser les gens à donner leur vie à Christ et à grandir dans les choses du Seigneur. My dear lovely Bishop, bien que leur mariage semble être rempli d'amour, bien que leur mariage semble être rempli de strass et de paillettes, bien qu'ils semblent être heureux, laissez-moi vous dire qu'en privé, Barbara souffre le martyr. Sylvester et Barbara passent par des moments difficiles. Ils traversent des hauts et des bas en privé. Et ce parce que le pasteur Sylvester Ophorie est un tyran. Il est violent physiquement et moralement. Il se plaît à la battre quand il en a envie. Il se plaît aussi à la menacer de mort quand il en a envie. Quand ça lui passe, il lui dit, si tu ne fais pas attention, d'ici quelques temps, je vais te tirer une balle dans la tête. Mais pour sauver les apparences, Mama Pasteur Barbara va jouer à l'épouse modèle, à la femme de pasteur qui vit le bonheur en personne. Il faut qu'elle montre au monde entier et surtout aux fidèles de son mari que tout va bien, que dans leur couple, c'est l'eau de rose, que son mari est l'homme le plus avenant de la planète. My dear mother, ce n'est du tout pas un comportement à
adopter. Lorsque ça ne va plus, partez. Ne restez pas là à supporter l'insupportable. Ne restez pas là à pardonner l'infâme. Ne restez pas là à pardonner des offenses perfides. Ne restez surtout pas en prétestant que je reste pour mes enfants. Parce que quand tu vas mourir, tu ne vas du tout pas emmener avec toi tes enfants. Tu mourras toute seule et on va t'enterrer toute seule. J'espère que mon message est passé. Selon maintenant le docteur Bernard Taylor, un ami de Barbara, Barbara refusait de dénoncer son mari à la police en dépit de nombreuses menaces de mort qui pesaient sur sa vie. Parce qu'elle ne voulait du tout pas que la demande de naturalisation américaine de son mari soit annulée. C'est-à-dire qu'elle ne voulait du tout pas qu'on annule la demande de naturalisation d'un homme qui lui inflige des supplices insupportables, des offenses perfides. Elle ne voulait du tout pas qu'on annule la demande de naturalisation d'un homme mi-ange mi-démon. Personnellement, je ne sais pas si je peux comprendre le comportement de Barbara. Je suis incapable de protéger un pervers narcissique. Je suis incapable de donner la chicotte à mon ennemi de me frapper. Pourtant, je vous assure, je suis dépendant affectif. Mais comme on le dit souvent, l'amour a ses raisons que la raison elle-même ignore. C'est plutôt le cœur a ses raisons que la raison elle-même ignore. Mais dans ce cas, je vous assure que je vais raisonner mon cœur. De toutes les façons, en 2020, après 5 années de mariage, 5 longues années de mariage, Barbara, face à l'incertitude et la douleur, a choisi la voie du courage, la voie de la raison. Elle a ramassé toute l'audace qu'elle avait et elle a dit trop, c'est trop. Elle a courageusement choisi de quitter un mariage où elle était battue, où elle subissait des violences morales et physiques, pour finalement connaître la paix, la joie et le bonheur avant sa mort. Parce que malgré tout ce courage qu'elle a amassé pour dire stop, elle finira toujours par mourir. Elle a également puisé des forces en elle pour demander le divorce à son mari. Elle lui a demandé le divorce parce qu'il était violent, mais pas seulement à cause de ça. Elle a également demandé le divorce parce qu'à un moment donné de son service, son mari a eu foi en l'autre monde, c'est-à-dire au monde des ténèbres, et a voulu l'y entraîner. En effet, quelques mois après leur mariage, Sylvester s'est rendu à Zema au Ghana, où il a rencontré d'après lui un incroyable pasteur. C'est-à-dire que lui, il s'appelait pasteur, mais il n'était du tout pas un incroyable pasteur. Il avait rencontré à Zema un pasteur plus fort que lui. Un pasteur que quand il ouvre la bouche, les morts reviennent à la vie. Oh my lovely goodness. Moi-même, je suis choqué. David et Suzy qui accompagnaient le pasteur Sylvester à Zema ont dit: au Ghana, nous l'avons suivi dans les montagnes. À notre retour des montagnes, il nous a dit qu'il voulait installer une branche de son église dans son pays natal. Mais que pour cela, il fallait qu'il se rende à Zema. Quand il est revenu de Zema, il nous a dit qu'il avait rencontré là-bas un incroyable pasteur qui lui a donné un livre à méditer. Après avoir quitté le Ghana pour les États-Unis, il est subtilement retourné à Zema pour rencontrer une nouvelle fois l'incroyable pasteur. Dans une interview exclusive avec Frankie Five dans l'émission This is Gospel sur It's FM, et ce le dimanche 13 septembre 2020, Sophia a déclaré: Sylvester s'était détourné du Seigneur après avoir visité un sanctuaire à Zema où il a rencontré d'après lui un incroyable pasteur qui lui a donné un livre à méditer. À son retour aux États-Unis, il a donné le fameux livre à ma sœur pour qu'elle le lise, et dans la foulée, elle a commencé elle aussi à critiquer Dieu. Mais grâce aux prières, elle a compris qu'elle se dirigeait vers l'obscurité. Ma sœur a ensuite découvert que son mari avait rejoint un groupe occulte et a demandé le divorce. Voilà que le couple qui était marié depuis 5 ans était désormais en instance de divorce. Mais selon la police, aucun document attestant de leur divorce n'a été trouvé. Ne vous inquiétez pas mes béchats, vous allez comprendre pourquoi. Les archives judiciaires montrent également qu'en 2016, Sylvester Ofori a été mis aux arrêts pour avoir résisté à un agent de police qui avait été appelé pour intervenir lors d'une dispute entre sa femme et lui. Barbara, pour retrouver la paix, la liberté et la joie, avait quitté le domicile conjugal 3 mois avant son assassinat. Sophie a déclaré: ma sœur Barbara était l'homme de la maison. Elle détenait en grande partie tous les biens qu'ils avaient. Sylvester n'était qu'un simple pasteur et l'idée de tout perdre dans un divorce l'a poussé à planifier le décès de ma sœur, l'a poussé à planifier la mort de ma sœur. Sophia a rajouté que la famille ne pouvait rien faire pour elle. La famille ne pouvait rien faire pour améliorer sa situation. Et ce parce que Barbara était une femme mystérieuse et hermétique. Elle ne laissait jamais rien paraître. Tu pouvais lui donner des cocottas, elle n'allait jamais répéter. Tu pouvais lui faire une clé 14, elle n'allait jamais le répéter. Elle n'était plus qu'une tombe. Barbara était une personne paisible. Et tout ce que nous avons appris a été le rapport de ses amis. Elle ne nous a jamais parlé de ce qu'elle vivait. Et ce jusqu'à sa mort.
dear lovely Bisha, après qu'elle ait quitté le domicile conjugal, elle a directement rejoint le domicile familial. Elle s'est installée avec ses parents. Elle a retrouvé la maison de son enfance. Elle a retrouvé la chambre de son adolescence. Et je peux vous assurer que c'était un pur bonheur pour ses parents de la voir à la maison. Elle a fait cela en attendant de tout régler. Elle a fait cela en attendant de tout mettre en œuvre pour se séparer définitivement de son mari violent et désormais occultiste. Elle a aussi fait cela en attendant de tout récupérer entre ses mains, de récupérer les biens qui l'appartenaient et aussi la maison. Car souvenez-vous bien, d'après sa grande sœur Sophia, elle était l'homme de famille. La grande partie des biens qu'il possédait l'appartenait. Le dimanche 6 septembre 2020, elle s'est rendue à son ancien domicile conjugal et ce en compagnie de son grand frère Perry et d'une de ses sœurs pour récupérer des documents super importants. Dans sa tête, ils arrivent dans l'appartement, ils récupèrent tout ce dont ils ont besoin et ils repartent ni vu ni connu. Mais sauf que dans l'appartement, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Sylvester est là et quand il va mettre ses yeux sur elle, quand il va poser son regard sur elle, la toute première des choses qui va lui passer par la tête est de sauter sur elle et de la battre comme à son habitude. De toutes les façons, malheureusement, ce jour, il y a plus fort que lui dans l'appartement. Ce jour-là, il va lui apprendre le respect. Il va lui apprendre le respect de la femme. Il va surtout lui apprendre à respecter sa petite sœur. Il va également sauter sur lui. Il va corriger Sylvester comme si Sylvester était son enfant. Il va lui mettre une clé 14. Il va lui montrer ce jour que s'il n'a pas réagi depuis, c'était justement parce qu'il n'était du tout pas au courant que sa sœur vivait l'enfer dans cette maison. Quant à la sœur de Barbara, elle va tout simplement sortir son téléphone et se mettre à filmer la scène. Et je vous assure qu'au vu de la situation qui va suivre, elle a bien fait de filmer. Quant à Barbara, elle était en train de supplier son grand frère de laisser son mari. Parce que jusqu'à preuve de contraire, c'était toujours son mari bien-aimé. Attendez un peu, je veux comprendre quelque chose. Comment ça de lâcher cet homme-là qui a bondi sur toi dès qu'il a posé les yeux sur toi? Imagine maintenant ce qui se serait passé si ton grand frère et ta soeur n'étaient pas là. De toutes les façons, Perry va lâcher Sylvester et ce à la demande de Barbara. Vous pensez que les choses s'arrêtent là? Non. Il va lui montrer que s'il ne peut pas avec ses mains, il peut avec sa bouche. Et dans la dispute, Perry va lui dire qu'il est un faux pasteur et que tous ceux qui le suivent sont des faux également. C'était la goutte d'eau de trop pour Sylvester. C'était la goutte d'eau de trop dans son vase. C'est cette goutte d'eau là qui a fait déborder son vase. Et là, il va faire comprendre à Perry qu'on lui a dit que sa sœur, sa femme Barbara est une sorcière et qu'il ne peut du tout pas concevoir cela. Qu'il ne peut du tout pas concevoir qu'une femme qu'il a aimée pendant 5 ans soit sorcière. Qui t'a donc dit que ta femme était sorcière? Qui t'a dit que ma sœur était une sorcière? Ne vous inquiétez pas mes bichas, je vais vous dire qui lui a dit cela. C'est purement et simplement son père spirituel et il s'appelle Elias Salifu Amwaka. Oh my lovely goodness, my dear lovely bichas, ce n'est du tout pas Amwaka, c'est plutôt Amwako. Sylvester n'arrive du tout pas à se calmer et avant de sortir de l'appartement, il va faire l'inimaginable, ou je veux plutôt dire, il va dire l'impensable. Sylvester dira frontalement à Perry, si je ne tue pas ta sœur, alors je suis véritablement un faux pasteur. My dear lovely Bécha, ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre la vidéo, mais je ne vais du tout pas mettre la vidéo dès le début parce que c'est vraiment, mais vraiment sale en fait. Quand je dis sale, je parle dans le sens propre en fait. Je ne parle du tout pas dans le sens figuré. Je le dis parce que dans le début de la vidéo, Perry lui a fait une clé 14 et dans la clé 14, il lui donne des fatalistes. Et si YouTube voit ça, je vous assure qu'il va me sanctionner. Il ne va du tout pas me louper. Il va me dire, oh monsieur Ibrahim Larson alias Papa Kongosa, oh d'accord, c'est comme ça. Donc vous ne respectez du tout pas la règle de confidentialité. Attendez voir ce qu'on va vous faire. Why? That was unnecessary. Don't do that, Barbara. If, what if you came here by yourself? But isn't this the same sister that you fucked up? What did I fuck up about my sister? What did I fuck up about my sister? Perry, what did I tell you? Let him go in the room. Perry, leave him alone. Perry, leave him alone. We should go. We don't need this. Okay. All right. But you are the same person who supported me at the wedding, right? I would have fought you at the wedding because you were fake. You are fake. Yes, you are lying. Perry. You are fake. You and everybody that follows you. You are fake. I supported you because I thought you were different. So now you but are not like your family. You support your sister. Yes, I'm here to support your sister. The same sister. And I'll always who the pastor told you that she was a witch. Which pastor? American pastor. Name that pastor. Which pastor told you my sister? The same sister. Which pastor? Name the pastor. You are a pastor.
You, oh. You don't know whether you are or not, you are a bastard, my friend. Get the fuck out of here before I fuck you up. We didn't come here for you. We did not come here for you. Don't let me hurt you. Leave. We didn't come here for you. We came to get something. Can I promise you something? Promise me. If I don't kill your sister, then me, I am sick. You got the video, right? Yeah, I got it. I call the cops. No. No, call the cops. Jen, no. Baba, stop that. Tanya. You don't play with threats like this. Jen, I'm calling the cops. No, you don't play with threats. Please call the cops. It should escalate. He's threatening you in front of me. He said he's going to kill you. What are you waiting for? What are you waiting for? All right, just make sure it's there so we can go. If that's it, let's go. Let's just get the hell out of here. Is it it? Yeah. Okay. Make sure. Let's get out of here. We ain't coming here no more, Barbara. You lost all. You heard what he said? Is there anything else you need to get? But we're done. Whatever you want to get. Yeah, we're done. Oh, you lost all this. No, I'm going to come back for it. You're going to come back for what? No, it's okay. It's okay, Barbara. It's another debt that can be paid off. Debt is debt. You cannot replace debt with life. And vice versa. It's gone. This is all. This ain't yours no more. Imagine if you come here by yourself. Even with us over here, he still attacked you. Fabian, don't play with these things. Why is this a joke to you? You may not want to have him arrested, but you have to make a police report. You have to have a police report for future sake. The police need to make a report. No, I'm going to use this so you can get a restraining order. Yeah. And make sure he's not coming in. Can you come look for my glasses, Fabian? Look for my glasses so I can make sure he's not coming in. C'est quand même incroyable, n'est-ce pas? Cet homme-là qui se dit être pasteur te menace, toi, sa femme, frontalement devant ton grand frère et ta petite sœur. Il dit frontalement à ton frère qu'il va te tuer et que s'il ne te tue pas, il faut qu'on l'appelle véritablement faux pasteur. Et jusque-là, tu trouves le courage de le défendre. Tu trouves le courage de dire à ton grand frère de ne du tout pas appeler la police, sinon il aura des problèmes. C'est quoi ton problème au final? Je sais que tu l'aimes, mais pas jusqu'à ce point, Barbara. On me disait tous les jours que l'amour rend aveugle, je ne croyais pas. C'est ça que je vois comme ça. Lorsqu'il est parti, Perry lui a tout de même demandé d'aller porter plainte à la police et de demander une ordonnance restrictive afin qu'il ne puisse plus l'approcher. Parce que cet homme-là, à le voir, il est capable d'exécuter ses menaces. Elle lui a répondu « Ok, grand frère, je vais le faire. » Mais elle n'a du tout pas bougé le petit doigt. Elle ne s'est du tout pas rendue au commissariat pour porter plainte à son mari pour demander l'ordonnance restrictive. Voilà pourquoi la police n'a trouvé aucun document attestant de leur divorce. Un jour avant l'assassinat de sa femme, c'est-à-dire le lundi 7 septembre 2020, le pasteur Sylvester Ofori a fait un post sur Facebook, un post énigmatique où il a dit « Une chose que les gens doivent comprendre à propos des personnes extrêmement gentilles, aimables et aimantes, c'est que l'autre côté est tout aussi extrême. S'il vous plaît, je suis perdu. J'ai envie de comprendre quelque chose. Dans cette histoire que je suis en train de vous raconter, qui est la personne extrêmement gentille? Qui est la personne extrêmement aimable? Qui est la personne extrêmement aimante? J'espère sincèrement qu'il n'est du tout pas en train de parler de lui. De toutes les façons, le jour qui a suivi, c'est-à-dire le mardi 8 septembre 2020, le pasteur Sylvester Ofori s'est rendu très tôt le matin, c'est-à-dire avant 9h du matin à la Navy Federal Credit Union près du Mall at Millenia où travaillait sa femme pour l'attendre. Ce matin, là, les clients de la banque sont déjà là et attendent l'ouverture de l'établissement. Quand ils s'aperçoivent que Barbara Tommy est suivie par un homme qui tient une arme à feu alors qu'elle se dirige vers la banque, elle va se mettre à courir et à frapper aux portes pour que quelqu'un la laisse entrer. Et pendant ce temps, le pasteur Sylvester Ofori est en train de la suivre. Il continue à la suivre. Il était seulement à quelques mètres d'elle lorsqu'il a tiré le tout premier coup fatal. Lorsqu'il a porté le premier coup fatal dans son dos et qu'elle s'est effondrée. Alors qu'elle est étalée au sol en train de se battre pour sa vie, Sylvester lui a de nouveau tiré dans le dos. Il lui a tiré une deuxième balle dans le dos. Et comme si cela ne suffisait pas, il s'est tenu au-dessus d'elle et lui a tiré plusieurs balles dans la tête. Il lui a au total tiré 5 balles dans la tête. Je vous assure que c'était du hélélé. C'était du venir voir et aller dire. Tout le monde était horrifié. Après quoi, il est tout simplement retourné à sa voiture, une Dodge Journey qu'il avait louée. Je ne m'y connais du tout pas en voiture, s'il vous plaît. Une fois maintenant installé
allée dans sa voiture, il l'a démarré et est parti comme si de rien n'était, abandonnant sa femme sur le trottoir en train d'agoniser. Ce sont les clients de la banque qui étaient déjà là très tôt le matin qui ont alerté la police. Et peu avant 9h, parce que tout s'est passé avant 9h, les inspecteurs de la police d'Orlando sont arrivés sur les lieux. Sur place, ils ont retrouvé Barbara Tommy allongée sur le trottoir devant la banque, et ce avec de nombreuses balles dans la tête et deux dans le dos. Je vous assure, une scène de crime horrible, une scène de crime effroyable. Et juste après leur constat, ils ont appelé la sœur de Barbara qui avait filmé la scène entre Tommy, c'est-à-dire Perry, et le pasteur Sylvester Ofori. Elle n'arrivait du tout pas à en croire ses yeux. Après avoir identifié sa sœur, elle a montré la vidéo qu'elle avait filmée aux policiers. La vidéo dans laquelle on voit le pasteur Sylvester Ofori menacer de tuer sa femme et se portant la même chemise qu'il portait lorsqu'il l'a tiré sur sa femme et l'a tuée. La sœur et le beau-frère de Barbara ont dit à la police que le pasteur Sylvester Ofori et Barbara Tommy étaient en instance de divorce et qu'ils vivaient depuis près de 3 mois séparés. Ils ont également identifié le pasteur Sylvester Ofori comme étant le meurtrier de Barbara, et ce à partir d'une photo de vidéosurveillance. Meurtrier tout simplement parce que Barbara a été déclarée morte au centre médical régional d'Orlando le matin même, et ce toujours avant 9h. My dear lovely Bécha, le micro est en train de signaler faible. Le micro est en train de signaler rouge. J'espère sincèrement qu'il ne va du tout pas nous lâcher. En plus de cela, ça sature comme jamais. But anyway, la police, après avoir gelé la scène de crime, s'est rendue au bloc 6100 de Raleigh Street, où Sylvester et Barbara ont vécu ensemble à un moment donné. Sur place, elle a retrouvé la Dodge jaune qu'il conduisait garée près de l'immeuble. Sylvester, après avoir tué sa femme, est tout simplement retourné à la maison, est tout simplement retourner à son appartement pour se reposer en attendant la police. Ok, c'est sans problème. Puisque tu veux jouer à ça, puisque tu veux jouer au chat et à la souris, on va jouer. Maintenant, après que les officiers de la police d'Orlando aient vérifié le complexe d'appartements et constaté qu'il était à l'intérieur de son appartement, ils ont aussi joué. Ils ont appelé le SWAT et Sylvester a été mis aux arrêts pour meurtre au premier degré avec une arme à feu. Après son arrestation, il a été envoyé en détention provisoire parce que oui, et ce à la prison du comté d'Orange et sans possibilité de libération sous caution. Sylvester a comparu pour la première fois devant un tribunal après son arrestation pour l'assassinat de sa femme le mercredi 9 septembre 2020. Il a comparu devant un juge fédéral de Floride, l'air plutôt calme et posé, alors que des accusations de meurtre au premier degré pesait contre lui. Lors de sa comparution devant le tribunal, le procureur a déclaré au juge que l'assassinat de Barbara avait été filmé par une caméra de vidéosurveillance et que la vidéosurveillance montre que Sylvester a suivi son ex-femme sur son lieu de travail et lui a tiré 2 balles dans le dos. Le procureur a ajouté qu'un Sylvester enragé se tenait au-dessus du corps de sa femme alors qu'elle rendait son dernier souffle et lui a tiré d'autres balles dans la tête. Le 26 septembre 2020, Barbara Tommy a été mise sous terre. Elle a été enterrée conformément aux traditions ghanéennes. Laissez-moi vous dire qu'après ça, plus rien. On ne va plus du tout entendre parler de lui. On ne va plus du tout entendre parler du pasteur Sylvester Ofori. C'est finalement 2 ans après le meurtre, le 8 septembre 2020 de Barbara Tommy, 27 ans à Orlando aux États-Unis, que son mari va finalement être traduit en justice. Le samedi 8 avril 2023, Sylvester Ofori a été présenté au tribunal d'Orlando pour répondre aux accusations de meurtre avec préméditation. Et de par son comportement, il n'a montré aucun signe de regret. Selon le rapport du tribunal, Sylvester Ofori a reçu un accord pour reconnaître sa culpabilité en échange d'une peine d'emprisonnement de 50 ans. Et d'après l'avocat de la défense, il l'a refusé au motif qu'il défendra ses actes, car ses avocats lui ont assuré que la peine maximale qu'il encourra est de 15 ans ou de 16 ans seulement. Et ce compte tenu de sa défense, s'il est bien défendu, il va seulement encourir 15 ans ou bien 16 ans. Mais puisqu'il y avait des témoins, puisque beaucoup de personnes ont assisté à la scène, il sera vraiment difficile de prouver sa culpabilité. Je voulais plutôt dire de défendre sa culpabilité. Maintenant, s'il est reconnu coupable après le procès, il risque une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 100 ans. Les parents de Barbara s'attendent à ce qu'il soit condamné à 100 ans ou au moins à 74 ans de prison. Après quoi, le procès a été ajourné au 15 juillet 2023, date à laquelle il est censé présenter ses éléments de preuve. À l'état
actuelle des choses, il est toujours détenu par la police. Laissez-moi conclure en disant que la famille de Barbara jusqu'à ce jour ne s'est toujours pas remis. Francisca, la mère de Barbara, est la plus touchée, à tel point que le lit de Barbara n'a jamais été touché après 2 ans. Son père lui aussi souffre toujours autant. Ils espèrent tous que justice sera rendue. J'espère moi aussi que justice sera rendue. Je vais aussi vous tenir informé de la décision du juge, même si cela ne sera vraiment pas évident en fait. Lorsqu'une affaire implique les Africains aux États-Unis, les médias ne suivent pas l'affaire jusqu'à la clôture. Je disais tantôt, je vais vous tenir informé de la décision de justice, et ce dans l'espace commentaire, ou bien même dans l'espace communautaire, ou bien même dans un short. Oh my lovely goodness, my dear lovely Beisha, je suis en train de conclure la vidéo et il est 4h46. Je suis mélangé. Ce que je craignais est enfin arrivé. Le micro s'est coupé, le micro s'est éteint. Je disais donc tantôt avec l'image figée. C'est tout pour l'histoire de Barbara Famia Tomi, jeune Ghanéenne de 27 ans qui a été tuée de 7 balles par son mari, le pasteur Sylvester Ofori. Si tu es resté jusqu'ici, Beisha, écris en commentaire Navy Federal Credit Union. Et c'est parce qu'elle a été tuée devant cette banque. Maintenant, si l'histoire t'a plu, quand je demande si l'histoire t'a plu, c'est tout simplement pour savoir si tu as retenu quelque chose. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas aussi à me le faire savoir en commentaire. Dans tous les cas, lâche-moi ton plus gros pouce bleu en l'air. Partage la vidéo avec ton entourage. Partage la vidéo avec tes proches pour leur dire qu'ici, on fait du bon boulot. Mais aussi pour que notre communauté continue à s'agrandir. De là, on se reprend à très bientôt. May God bless you. Kiss. My dear lovely Beisha, reviens. Reviens s'il te plaît. Ne fais jamais confiance en qui que ce soit s'il te plaît, Beisha. Garde toujours les yeux grands ouverts. Car c'est votre propre orteil qui joue aux innocents. C'est votre propre orteil qui joue aux innocents. Qui finira un jour par te trahir. Qui finira un jour par percer ta chaussure. Mais vraiment, on a beaucoup souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant. Mais vraiment, on a beaucoup souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant.